Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour mes nouvelles prévisions astro-divinatoires, donc celles du mois d'avril. Donc je vais revenir un petit peu sur la période du tout début bélier, parce que vous savez que maintenant je fais mes prévisions en fonction du signe astrologique hein, et pas que le mois d'avril. Donc on est sur la période bélier, donc fin mars et jusqu'au 20 avril. Donc il y a eu... Il y a eu le printemps, il y a eu l'équinoxe, il y a eu la pleine lune avec l'éclipse de lune le 23. Et donc tout ça, c'était l'énergie, la première vague d'énergie des béliers. Et sans revenir trop sur les événements un petit peu tragiques qu'il y a eu en ce début de mois, de la période, je souhaite qu'on reste résolument optimiste parce que... les béliers, eh bien, c'est le symbole du renouveau. Et c'est exactement l'énergie qui va être dominante pendant ce mois. Donc, bon anniversaire à tous les béliers. Donc, cette énergie est un peu remuante. Hein. Les béliers, c'est des signes de feu. Donc, c'est un petit peu comme une tornade. Hein. Donc, ils sont bourrés d'énergie. Ils sont fougueux, ils sont bouillonnants, ils sont remuants. Ils sont casse-cou aussi, sportifs. C'est des gens qui apportent une énergie d'excitation, comme ça, ils sont toujours envie que ça bouge et que ça remue, voilà, c'est des boules d'énergie, hein, vraiment, ces béliers, et c'est ça qui nous apporte. Alors on fait attention parce que la planète dominante des béliers, justement, c'est Mars. Alors Mars, c'est le symbole des combattants, des guerriers, mais aussi des vainqueurs. Donc c'est un petit peu dans cette direction qu'il faut se tourner, et se dire, une sorte de nouvelle année commence et on prend des bonnes énergies. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on a fait hein, entre l'éclipse de soleil et l'éclipse de lune. On s'est reposé, on s'est calmé. Et cette énergie dynamique comme ça du bélier, c'est genre j'enfonce les portes, je fonce, mais des fois un petit peu sans trop réfléchir. Alors, cette fameuse influence de Mars qui habite les béliers, hein, même si Mars n'est pas chez eux actuellement, c'est quand même une énergie qu'on reçoit. Donc, les petits défauts, un petit peu, si on peut dire, hein, du bélier, bah, c'est justement une sorte de volonté d'avancer. Toujours, et toujours plus, toujours mieux. Donc, ils sont mus comme ça par une sorte d'excitation un peu trop vive parfois. Mars, donc c'est le combat aussi, donc ils ont une énergie un petit peu combative, agressive, ils ont un petit peu d'ego, des fois c'est vrai, ils aiment bien voilà, un petit peu avoir raison, ils ont un petit peu de difficulté aussi avec l'autorité, les contraintes, les conditions, tout ça, donc en fait c'est comme s'il y avait une sorte de gros renouveau devant nous. Et puis en même temps, ben, les transits planétaires font qu'il y a des conditions. Et puis, comment vous dire, ben, la nature, elle nous montre l'exemple. Donc, on voit les premières tiges vertes, des fleurs, tout ça pousser, hein, mais ce n'est pas encore vraiment là. Donc, ça va aller de plus en plus croissant. Mais l'énergie qu'apportent les béliers, c'est cette volonté insatiable. Donc, les béliers aussi, ils se relèvent des problèmes. Ils ont cette capacité de jamais s'arrêter, donc ils enfoncent les portes, comme on dit, et si la porte elle s'ouvre pas, ils passent par la fenêtre. Donc moi j'ai connu ça dans mon travail avant, et les commerciaux par exemple, c'est très bon, c'est une très belle énergie bélier, parce qu'ils lâchent rien, hein. Donc ça nous motive, ils nous excitent, ils nous poussent comme ça vers... des opportunités, voilà, les béliers, ils savent faire ça, saisir des opportunités et surtout s'en créer. Donc, ce qu'ils n'aiment pas, c'est l'impatience, ils ont du mal à gérer ça, enfin, et les contraintes. Donc, par rapport aux énergies que j'ai pu tirer et par rapport à la configuration, on va dire, un petit peu astrale de cette fin du mois de mars, c'est un petit peu plus contraignant et difficile. Donc les choses vont vraiment être évacuées comme ça vers le début avril. Hein. C'est important parce que quand j'ai tiré les cartes,
les premières, elles étaient dans la fin de l'énergie du poisson. Donc encore un peu d'angoisse, d'inquiétude. Mais ça, c'est, vous voyez, le bélier, quoi. C'est le feu intérieur qui cherche à jaillir à tout prix. Eh bien, on ressent tout ça. Et forcément, bah, le geyser, il va exploser. Donc, il faut vraiment rester optimiste et se dire... non, les choses que je n'aime pas, qui ne me plaisent plus, je n'en veux plus. On va chercher à s'exprimer et puis on va faire le pas en avant, le pas décisif. Et après, les événements, ils s'enclenchent. Donc, voyez cette période comme un vrai renouveau. Alors, pour bien marquer ces énergies du bélier, moi, je vous ai tiré la carte de coupe et je vais vous la montrer. Parce que c'est une carte qu'on n'a pas vue, on ne l'a jamais vue. Et en plus, elle est... extrêmement magnifique et elle donne tout de suite eh bien l'énergie du mois. Donc cette carte de coupe, hein, donc c'est la carte de coupe, c'est valable pour tout le monde. C'est la 34. Elle s'appelle la porte pour la santé et du bonheur personnel, pour vos projets personnels, c'est ça. Donc devant vous, il y a une belle porte ouverte, il y a une lumière dorée. On voit ici les arbres qui sont feuillus, hein, donc c'est vraiment le renouveau. Et puis le bas des tiges est vert clair, donc c'est vraiment le symbole des bourgeons, des premières feuilles. Donc il y a comme ça des situations, des indices que vous allez pouvoir attraper sur votre route. Et puis cette porte est ouverte, et bien au fond il y a une cascade, il y a un beau soleil, il y a une colombe de la paix, donc c'est un très beau symbole de paix justement. Et puis il y a un arc-en-ciel, et ce que j'aime beaucoup sur cette carte, parce que je ne vais pas m'étendre sur la carte, hein, c'est que l'introduction, c'est une sorte de chemin qui s'ouvre et il y a des lotus. Donc le lotus, c'est l'épanouissement, mais personnel mais aussi spirituel. Ça veut dire que pendant tout le mois vous allez trouver sur votre route des opportunités d'aller de l'avant. Il faut y aller avec confiance. Et puis la colombe, c'est des bonnes nouvelles, donc attendez-vous à beaucoup de signes. Et c'est un mois où on va être extrêmement assisté par des énergies puissantes, spirituelles, angéliques, pour tout le monde. Vraiment, quand on parle de guerrier, ben, c'est pour ça que je vous ai mis un petit peu ces images qui illustrent l'énergie du bélier. On a, ben, on a des guerriers un petit peu sages, comme on dit, à savoir agir au bon moment, savoir ne pas combattre inutilement, donc ne pas rentrer dans cette colère. Et puis vous allez voir que c'est important par rapport au transit. Et puis on a Athéna qui est le symbole aussi un petit peu de la sagesse et de la guerre. Donc on va regarder un petit peu les transits planétaires pour ce mois d'avril. Donc je redis, hein, ma petite fiche, voilà, comme ça... Parce que c'est compliqué, parce qu'il y a à la fois la position des planètes, mais il y a aussi des configurations qui sont spéciales de planètes entre elles. Donc, on a la pleine lune du 23 mars qui est sur l'axe Bélier-Balance. Donc, la balance, c'est le symbole de l'équilibre, de l'harmonie, une sorte de justice et de jugement aussi. Donc, c'est le premier indice, c'est ce qui ouvre la période Bélier. Il y a eu cette éclipse qui vient vous inonder de nouvelles possibilités, des ouvertures personnelles, mais peut-être aussi des dons qui enfin se posent, des aspirations, de l'intuition, de la motivation et une recherche d'équilibre dans toutes les situations de votre vie, et déjà une sorte de paix intérieure en soi. Savoir qui on est, savoir ce qu'on veut, mais cette fois c'est très aplani. Ensuite, le 25 mars, il y a un carré Vénus-Saturne. Et après, Saturne va être rétrograde. Donc, les planètes, elles sont pas mal en mouvement quand même. Et hier, Mars aussi fait un mouvement en rétrograde. Donc, c'est comme si on avait l'impression qu'elle avançait à l'envers. Donc, les énergies sont... Par exemple, Mars, il est très dynamique. Il apporte comme ça des choses qui poussent. Mais quand il est rétrograde, ben, c'est comme s'il fait un peu en arrière. Donc, le mois, il reste encore un peu... je vais dire, c'est comme si on tergiversait encore. Ben, des fois, c'est pas facile quand la porte est ouverte. On fait un pas et après on reste dans l'entre-deux. Donc, va vraiment falloir faire les deux pas directement dans la nouveauté. Voilà, c'est ça ce mois qui apporte. Donc, le 6, on a Mercure qui va passer en taureau.
Hein. Donc le taureau et Mercure, ça va donner un caractère un petit peu têtu pour certains des signes. Et par exemple, les scorpions, il va y avoir un petit peu d'agacement. Par contre, on a aussi une harmonie entre Mercure et Jupiter. Hein. Donc ça va un petit peu, ça c'est le 8, hein, l'harmonie. Donc ça va ouvrir une sorte de fenêtre de tir, comme on dit. Donc ça va aider aux bonnes opportunités, en particulier, et c'est par rapport aux cartes que j'ai tirées, vous allez le voir, soit dans le domaine du travail, soit au niveau amoureux, ça va dépendre des signes. Donc Mercure, hein, il va être du 6 au 12 juin en taureau, il y reste énormément longtemps, mais en plus il va faire des allers-retours. Donc faudra faire attention, surtout quand il va être rétrograde, on en reparlera le mois prochain à la communication. Donc ça demande de la persévérance, voilà, c'est ça que demande Mercure quand il va faire ses allers-retours comme ça. Et puis, il va y avoir une conjonction assez dynamique vers le 18 avec Vénus, hein, donc de Mercure. Et ça va être très favorable au signe d'air. Donc, Vénus, il va être à partir du 6 et jusqu'au 30 avril. Donc, Vénus, il reste tout le mois en bélier, hein, donc c'est important. C'est pour ça que je vous dis, le mois il est un petit peu en deux phases. Il y a jusqu'au, si on peut dire, jusqu'au 5-6, où là on reste dans des énergies un petit peu calmes. Et puis après, là ça va booster, hein, je vous assure. Donc, Vénus, quand il va rejoindre le bélier, il va donc rejoindre le soleil et Uranus aussi. Donc, Uranus, c'est la planète des Verseaux, on l'avait dit. Donc attention aux coups de foudre, mais aussi aux ruptures. Hein. Ça va être vraiment deux configurations spéciales. Pourquoi? Parce que ça va demander, il y a un besoin de faire de la place pour la nouveauté justement. Donc ça vient aussi, Uranus amène comme un appel au changement. Et c'est ça qu'amène cette énergie. Donc on fait attention parce qu'il va y avoir des bouleversements sentimentaux. Par exemple pour les béliers, il peut y avoir des enflammements, ça va être pour les lions, donc vous voyez selon les signes vous allez être plus ou moins touchés, hein. Mais par exemple pour les capricornes qui sont les signes de terre, c'est plus compliqué pour eux, ça vient attiser les conflits. Donc tous les gens qui vont vouloir rester accrochés à des situations qui ne tiennent plus et qui ne valent plus le coup, en fait il y a une sorte d'explosion comme ça. Donc ça peut être des bouleversements extrêmement positifs. De toute façon, tout ce qui est libérateur, c'est positif, même si sur le coup, on a un petit peu l'impression que ça s'effondre et qu'il va falloir reconstruire. Mais justement, c'est un mois d'opportunité. Donc après, vous avez toute l'année pour construire votre vie et vous allez voir que ce sera extrêmement positif pour tout le monde. Donc je rappelle aussi, on a Mars qui est en Sagittaire jusqu'en juillet. Donc Mars est avec Saturne. Donc ça pousse à entreprendre pour certains signes, comme les Sagittaires qui sont très favorisés. Mais pour d'autres, ça génère des conflits. Notamment, par exemple, je redis, les poissons dans le travail, c'est vraiment l'idée de, ça pousse et en même temps ça freine. Alors ça va dépendre comment vous gérez tout ça, hein. Et selon les signes, on ne gère pas les contraintes de la même façon. On fait attention, le bélier, il est un petit peu colérique, hein. Donc on l'a dit, ça pousse, ça tire, hein. Et le bélier il est très dynamique, donc c'est un petit peu tout ça, l'énergie du mois. Et puis le 22 avril, la pleine lune elle sera en scorpion, donc hop, on va retomber dans de l'émotion. Moi, je vais dire, c'est un mois qui bouge, et quand ça bouge, ça fait du bien, ça permet de déblayer le terrain. On est au mois d'avril, on fait le grand ménage dans sa tête, dans sa santé surtout, et puis on se dit, je vais essayer de visualiser un avenir meilleur, et tous les gens qui vont s'engager dans cette voie, ils vont être boostés et accompagnés par les énergies du bélier. On fait attention aux contraintes, c'est tout, et puis on les gère, et on respecte les autres. Faut pas faire comme des fois le bélier un peu trop entreprenant. Pousse-toi de là, je m'y mets. On essaye de le faire de façon harmonieuse. Voilà, c'est un petit peu tout ça le mois. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et on va découvrir les 4 cartes pour chacun des groupes de signes. Alors commençons ces énergies par justement les signes vedettes du mois, donc les béliers et le groupe des signes de feu. Donc les béliers, les lions et les sagittaires qui sont extrêmement favorisés, un petit peu tous, hein. Donc non seulement par le fait qu'il y ait ces trois planètes
dans le Soleil en Bélier, mais aussi il y a Mars et Saturne chez Sagittaire. Donc chez eux, hein, ça remue, c'est très très fort. L'énergie pour eux, c'est une carte qu'on avait déjà vue, c'est une belle carte. Et comme je vous l'ai dit en introduction, quasiment tous les signes sont assistés par des énergies puissantes qui viennent d'en haut. C'est les énergies qui sont tombées avec l'éclipse pour nous aider dans ce monde un peu difficile. Donc l'énergie pour les signes de feu, c'est la 41 et le bel ange, archange Uriel. Donc c'est le 7e chakra. Donc je vous invite encore une fois, hein, notamment quand c'est les cartes avec les archanges, à écouter les anciennes vidéos où je décris ces cartes et puis je vous donne un peu de renseignements sur les archanges. Donc Uriel, c'est le feu de Dieu, la lumière de Dieu. Donc les signes de feu avaient déjà eu cette carte l'année dernière. Donc c'est comme s'il y avait eu deux sortes d'éveils. Et là, c'est vraiment... il y a eu le réveil et l'éveil. Donc c'est une carte qui vous invite à ouvrir votre 7e chakra, donc le chakra de la couronne qui est de la couleur violette, ici, hein, comme on le voit. Et puis cet archange d'une extrême beauté, douceur, vient vous apporter une connexion spirituelle, une ouverture au domaine des esprits, si je peux dire. Donc les signes de feu, ils bougent, mais pendant de nombreuses semaines, ils ont été dans de l'indécision et dans l'impossibilité de voir leur vie vraiment avancer. Pourquoi? Parce que cet archange qui est posé calme un petit peu en situation de méditation, et c'est un conseil que je vous avais donné plusieurs fois, vous devez apprendre à vous arrêter. Alors comme c'est une énergie extrêmement dynamique, je suis quasi certaine qu'il y en a beaucoup des signes de feu, dont les béliers, et puis en plus ils ont Mars qui les agite, qui se disent « Ah ça y est, c'est le printemps, je fonce, je vais vers des nouvelles choses », mais on ne peut pas toujours faire les choses comme ça. Il y a une envie pour vous, et peut-être que l'année dernière vous avez appris ça, à calmer votre dynamisme. Parce que quand on réfléchit, quand on se pose, eh bien on est aussi à l'écoute de notre cœur, de nos intuitions. On a une faculté plus large de se connecter avec nos réelles intentions et notre plan divin. Donc c'est important, tant qu'on bouge, on n'arrive pas à capter ce qui se passe vraiment. Donc des fois on se heurte à des impossibilités ou on heurte les autres, et cet archange du 7e chakra vous demande d'ouvrir un canal spirituel. C'est important notamment pour visualiser des nouveaux objectifs, pour se projeter en avant, pour augmenter votre créativité, votre capacité à... au lieu de courir et de se demander ce qui va arriver sur le chemin, ça peut être bien, c'est un peu la fable du lièvre et de la tortue. Disons que les signes de feu, c'est le lièvre et que la tortue, elle arrive un petit peu en avance, ou mieux, parce qu'elle a pris son temps. Donc, accordez-vous du temps, c'est ça que vous dit la carte. Et vous allez recevoir des informations. Vous allez recevoir des aides, vous allez recevoir de la connaissance. Alors, quand vous ouvrez ce chakra supérieur qui est extrêmement connecté avec le divin, vous allez vous rendre compte que vous pouvez vous enflammer vers des buts plus hauts. Et peut-être que ce mois-ci, il y a pour tous les signes de feu la possibilité d'entrevoir la réalisation de situations un petit peu inespérées ou inimaginables pour eux, peut-être parce que ils n'avaient pas cette connexion avec le divin, parce que ils allaient un peu trop vite dans le processus du changement. Donc cet archange vient figurer des aides spirituelles, angéliques, ça peut être aussi des connexions
par la télépathie, peut-être avec des gens de votre famille, des gens décédés, hein, des fois on se dit je suis un peu protégée. Ça peut être un bon ami, une bonne amie, des gens qui ont une sorte de connaissance. C'est ça que vous apporte l'archange Uriel. Et c'est un peu comme si elle déployait ses ailes. Donc pour vous, c'est peut-être le moment aussi de prendre votre envol sans aller trop vite et sans en demander trop tout de suite. Voilà, donc c'est une belle énergie de connexion avec le spirituel. Moi, je vous conseille de décharger le trop-plein que vous avez, soit en faisant du sport, hein, ça peut être des sports extrêmement rapides, du squash, de la course, des choses comme ça, très dynamiques, qui viennent évacuer pour vous les contraintes, ou alors d'apprendre à se calmer, à se poser, pour que les bonnes énergies vous insufflent bien une route différente et nouvelle, hein, c'est un petit peu ce qui est demandé. Donc, comme le mois dernier, je vous ai choisi un nouveau tarot. Cette fois, c'est un tarot. Donc, comme j'avais repéré que les signes de feu étaient coincés dans un couloir, hein, pendant pas mal de temps et dans de l'indécision, ce qui est encore un petit peu l'énergie du début du mois, eh bien, j'ai choisi ce mois-ci le tarot fenestra. Donc, le tarot des fenêtres, hein, un petit peu. Donc, ouvrir des nouvelles fenêtres. C'est un très beau tarot. Je vais reprendre les vidéos de présentation également des jeux. Donc pour eux, la carte que j'ai tirée, sans trop m'étendre, c'est le 2 de bâton. Donc ça tombe bien, les bâtons, c'est toujours le physique, c'est toujours l'action, ce qu'on fait. Donc le 2 de bâton, généralement, on la surnomme la discorde. Donc attendez-vous peut-être ce mois-ci, mais je vous l'ai dit, l'énergie du bélier est aussi une énergie combative, un petit peu agressive, il y a un petit peu d'ego. Donc il ne faut pas toujours chercher à avoir raison, il faut apprendre à se poser et être calme et se dire moi je sais ce qui est bon pour moi. Ce n'est pas besoin d'argumenter tout le temps avec des gens qui cherchent les conflits par exemple. Donc peut y avoir pour vous des discordes au niveau de la famille et du travail. Pourquoi? Parce que vous aimeriez que ça aille trop vite, mais il faut vous canaliser, faire une sorte de focus sur les petits pas. Et chaque petit pas, eh ben, c'est un pas vers la victoire. Et c'est ça que vous devez vous dire. Donc, le 2 de bâton, il y a aussi ici une fleur. Donc, il y a des belles opportunités amoureuses. Ça peut être des rencontres, ça peut être un coup de foudre, ça peut être des emballements, ça peut être une motivation pour des choses que vous aimez. Apportez des énergies et de votre trop-plein comme ça, dans des passions que vous avez, des activités secondaires que l'on fait pour justement se décharger, pas être trop dans le monde physique et puis le travail, la réussite comme ça sociale, c'est important, c'est vrai, et vous aimez ça, vous en avez besoin, mais apprenez à moins tout de suite, voilà. Et cette carte de bâton, c'est un petit pas vers des bonnes opportunités, donc ça sera plus là encore le mois prochain, mais déjà vous entrevoyez la route et vous y allez avec sérénité et vous faites attention un petit peu au Discord. Dès que vous en avez besoin, allez chercher des conseils auprès de gens compétents, de gens spirituels, de connaissances sur un autre plan, et vous allez voir que ça va énormément vous apporter. C'est quand même une belle carte qui apporte un flux comme ça d'alignement pour vous, et puis il peut y avoir des idées de génie, des opportunités fulgurantes. C'est une très belle énergie, c'est la 41, le 7e chakra et l'archange Uriel. Alors poursuivons avec les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc, pour eux, eh bien, c'est le seul groupe de signes qui n'a pas l'assistance d'un archange pendant ce mois. Mais ils ont une carte qui va extrêmement leur parler parce qu'elle est un petit peu dans leur énergie. Donc, c'est une toute nouvelle carte. On ne l'a jamais vue, donc on va la découvrir ensemble. C'est la 31, la porte des valeurs.
Donc je vais vous décrire un petit peu cette porte, oui cette porte hein, si je peux dire, cette carte donc qui vous amène un nouveau commencement dans tout ce qui va être les finances et la carrière. Hein. C'est une carte qui est quand même très centrée sur, sur ces valeurs-là. Donc ça tombe bien parce que les signes de terre, ce sont des gens concrets. Donc eux, ce qu'ils aiment, c'est produire, créer, ils sont dans le faire, si je peux dire. Et ici, le domaine concerné, c'est l'argent et les valeurs. Donc, ce sont des notions qui les interpellent beaucoup. Donc, sur cette carte, ce qu'on voit dans le fond, c'est une sorte de grande porte, hein, immense, ici, donc rouge, hein, peut-être comme un château fort. Et puis, elle est entrouverte. Et puis, on voit une pièce de monnaie ici. Et puis, il y a des billets partout. Et puis, ici, il y a des bijoux. Donc, c'est comme s'ils étaient assis sur une sorte de trésor. Donc, peut-être qu'il y a eu des succès, des résultats aussi, hein, par rapport aux efforts qu'ils ont faits. Et puis, la porte s'ouvre vers, on va dire, une sorte de cité d'or. Alors, dans cette carte, ce qu'on vous n'arrive pas trop à percevoir, c'est dans quel sens vont les billets. Est-ce qu'ils s'échappent de l'intérieur de la cité d'or et comme s'il y avait une sorte d'échappée. Donc peut-être il y a des investissements à réaliser ce mois-ci, pourquoi pas. Ça peut être le bon mois pour investir, peut-être par exemple dans des travaux de rénovation de votre maison, si vous avez envie de la vendre. Ça peut être aussi investir dans la santé, dans notre propre santé, pour pouvoir après avoir plus de force pour réaliser nos projets. Ou est-ce que les billets, ils vont vers l'intérieur? On a quand même l'impression d'une sorte de passage qui s'ouvre, comme s'il y avait un nouveau commencement, une sorte de révélation. Et puis à l'intérieur de cette porte, si je peux dire, il y a un bosquet fleuri, donc c'est des choses plus émotionnelles, peut-être aussi des amitiés, des rencontres qui fleurissent, donc qui sont prometteuses. C'est une sorte d'expansion pour vous. Donc la carte nous interpelle et doit vous interpeller, c'est où vous situez-vous, où voulez-vous aller un petit peu. Donc vous avez des richesses ici et vous avez une sorte d'ouverture, donc d'opportunité sur de nouvelles richesses, mais qui sont peut-être un petit peu différentes. Comme je vous l'ai dit, on a tous une sorte de réveil, d'éveil, l'envie d'une vie peut-être un peu différente où la spiritualité prend plus de place, l'amour aussi. Donc la carte vous demande peut-être de regarder les opportunités autour de vous, quelles sont les richesses qu'elles vous apportent et quelles sont celles que vous pouvez saisir. Les billets s'envolent, donc est-ce que vous allez rester devant ces portes et puis saisir tout ce qui arrive vers vous? Donc ça peut être un nouveau travail, une augmentation, une promotion, une belle rencontre, etc. Ou est-ce qu'il n'y a pas une richesse différente dans ce monde et par rapport à votre existence qui serait plus symbolisée par la cité d'or? Donc une sorte de richesse et d'harmonie plus en phase avec votre esprit et votre cœur. Donc c'est une carte qui, pour moi, reste bénéfique parce qu'elle vous montre qu'il y a des très bonnes opportunités d'expansion, d'amélioration sur tout ce qui peut être les finances et puis l'argent, donc la carrière, développer des activités, vendre, acheter. Tout ça, c'est extrêmement privilégié pendant ce mois-ci. La question pour vous va être, quelle est la porte des valeurs? Donc, quelle valeur vous est révélée ce mois-ci et à laquelle vous accordez le plus d'importance? C'est peut-être une sorte de révélation sur le sens, le sens à donner à votre vie. Peut-être aller vers des choses plus lumineuses. Voilà, c'est un petit peu ça. Et éloignez-vous un petit peu du monde matériel. La deuxième énergie pour eux que j'ai tirée, c'est la carte de coupe. Alors, les coupes, c'est souvent les émotions, l'amour,
un petit peu tout ça. Donc, le 4 de coupe, c'est une carte qui amène une notion d'assouvissement. Donc, vous voyez, c'est un petit peu... ce n'est pas paradoxal, mais par rapport à la carte ici qui vous relie à l'argent, l'assouvissement, c'est par rapport à vos émotions. Donc, est-ce que vous êtes tributaire de situations financières? Par exemple, il peut y avoir des choses peut-être à régler au niveau judiciaire, légal. Ça pourrait être sur le partage d'une maison, la vente, des séparations. Il y a quand même une sorte d'assouvissement comme ça. Et puis, je vous l'ai dit, Mercure est chez les taureaux, donc un petit peu têtu. Donc, vous avez une énergie quand même, somme toute, assez complexe qui vient apporter avec le 4 de coupe l'idée de trouver un équilibre. Voilà, hein, le 4, c'est souvent l'équilibre. Donc, peut y avoir des phases un petit peu de tristesse, de dépression, d'anxiété, peut-être dans tout ce qui touche le domaine amoureux, sentimental, affectif. Peut-être les choses qui ne tournent pas tout à fait comme vous voulez, ou alors on a une sorte de promotion mais c'est moins enrichissant. Donc c'est vraiment l'occasion pour vous de vous demander à quelle valeur vous accordez la priorité, et ça va être le chemin que vous allez devoir prendre. Donc faites attention à tous vos liens affectifs, ne soyez pas dépendant non plus à cause de l'argent, hein. Des fois il faut aussi savoir lâcher un petit peu le domaine matériel pour se réaliser soi-même. Voilà, donc c'est une carte, une bonne opportunité dans un contexte un petit peu émotionnel compliqué. C'est la 31, la porte des valeurs. Continuons les prévisions du mois d'avril pour les signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc comme je l'ai dit, bah, eux ils ont un archange qui vient les assister pendant ce mois, donc moi je suis assez contente, hein. Voilà, c'est les énergies qui sont tombées avec ces deux éclipses et qui nous ouvrent des chemins nouveaux. Donc ces archanges viennent nous aider dans certains domaines. Donc pour les signes d'air, l'archange qu'ils ont, c'est le 5e chakra et c'est l'archange Gabriel. Donc on l'a déjà vu, et en plus la carte était déjà chez eux. Donc c'est pas étonnant, parce que souvent je vous le dis, les signes d'air, c'est les pensées, c'est les idées. Mais un coup qu'on a les idées dans la tête, et eux, Dieu sait s'ils sont assez connectés, hein, avec les sphères supérieures, eh bien il faut les exprimer, ces idées. Et ce 5e chakra, justement, c'est le chakra de la gorge, qui est représenté ici par sa belle couleur bleu indigo, ici. Donc, pas toujours facile de s'exprimer pour les signes d'air. Donc, ils vont avoir une aide spirituelle qui est véhiculée par cet archange Gabriel, le messager de Dieu. Donc, Gabriel porte dans sa main ici la trompette, et nous avons vu que la pleine lune était justement en balance, donc aussi un signe d'air, et que cette balance apporte une notion d'équilibre, d'harmonie, mais aussi de justice, d'évidence. Ceux qui me suivent sur Facebook, je l'ai publié quand il y a eu le début du printemps, l'évidence, mais aussi la carte qui accompagnait cette pleine lune, c'est la carte du jugement dans le tarot. Donc c'est le moment de s'exprimer, de dire votre vérité, de dire ce que vous souhaitez. Le mois dernier, vous aviez une énergie qui vous demandait un petit peu la stratégie de réfléchir à où vous souhaitez, où vous allez souhaiter être au mois de juin. Donc, et je vous avais dit, il peut y avoir quelques contraintes, notamment les Gémeaux, vous avez Saturne. Et puis là, Mercure est chez le Taureau, donc quelque chose qui est un peu dur comme ça, donc, et qui va faire des allers-retours. Donc, l'expression qui est liée avec Mercure est un peu difficile.
Et comme il y a cette énergie de feu, il y a une envie chez vous de dire et de vous exprimer. Mais il ne faut pas le faire dans trop de vitalité, trop de virulence, trop de discorde. Ne pas alimenter les colères des autres et les envies de non-changement des autres. Et pour vous aussi, c'est important. Donc cet archange qui est là, sonne le clairon. Comme s'il vous disait, il est temps. Il est temps de vous révéler. Il est temps de vous exprimer. Il est temps de vous affirmer. Il est temps de communiquer vos idées. Alors, par exemple, dans le travail déjà, ça peut être une bonne période pour communiquer. Bon, quand je dis communiquer, c'est aussi faire de la publicité, par exemple, se faire connaître, développer vos réseaux sociaux, alimenter vos réseaux d'amitié, parce que vous aimez ça, vous aimez travailler avec des gens que vous appréciez, vous aimez l'harmonie, vous aimez être avec des gens qui apprécient un petit peu des fois votre fantaisie ou vos idées qui jaillissent comme ça un petit peu. Vous pouvez donc être ce mois-ci assisté par des gens qui viennent vous aider à vous exprimer. Ça peut être pour que vos bonnes idées ne restent pas dans votre tête et qu'elles puissent se concrétiser, même si elles le seront pendant la période taureau, voire gémeaux. C'est maintenant qu'il faut s'en occuper, c'est maintenant qu'il faut prospecter des clients, c'est maintenant qu'il faut, je ne sais pas, peut-être faire son site internet. Ça peut être le moment aussi de bouger si vous avez envie de changer d'endroit, par exemple. C'est le moment, c'est l'archange vous dit, le jugement, l'évidence. Quand c'est clair, il faut le dire. Quand c'est clair dans votre tête et que vous savez ce que vous souhaitez, il faut l'exprimer avec la loyauté, la franchise que vous pouvez avoir, mais des fois, vous pouvez être aussi un petit peu retenu. C'est pour ça que vous avez cette aide de l'archange Gabriel et du cinquième chakra. Les chakras, je vous ai fait une vidéo l'année dernière sur un petit livre qui vous permet de comprendre un petit peu ce que sont ces centres d'énergie. Et pour vous, celui qui bloque, c'est la gorge, justement, hein, la communication. Et puis, des fois, ne pas dire les bons mots, pas s'exprimer dans un langage que les autres ne comprennent pas parce que vos idées vont vite et puis vous pensez qu'on va vous comprendre alors qu'on ne vous comprend pas toujours. Et quand ça bloque ici, eh bien du coup ça vous bloque à la fois le chakra du cœur et du plexus, mais aussi ça vous bloque les chakras supérieurs, ceux qui chez vous sont extrêmement ouverts. Et pour être en harmonie, pour avoir une vie plus sereine, plus harmonieuse avec vous, mais aussi comme on dit, trouver notre place dans la vie, dans le monde, c'est-à-dire être bien avec soi-même et avec les autres, il faut aligner les chakras et que les flux d'énergie puissent circuler. Sinon, vous risquez d'avoir quelques petits soucis de santé. Alors, ça peut être des angines, ça peut être des choses qui se bloquent comme ça, parce que vous retenez. Donc, l'énergie qui vient pour vous, ce mois-ci, c'est une énergie de communication et de déblocage. Débloquez les situations en vous exprimant. Dites ce que vous pensez, dites ce que vous ressentez. Même si ce n'est pas exactement les mots et si ça provoque des émotions chez les autres, je ne vais pas dire tant pis, mais vous avez la capacité intellectuelle de peut-être rattraper les choses en expliquant, en communiquant, en ouvrant les dialogues, en favorisant l'échange. Voilà, c'est un petit peu ça qui est apporté ce mois-ci par l'archange. Il y a aussi chez vous, signe d'air, une sorte de manque de confiance en vous que vous dissimulez des fois par votre comportement et vous retenez un petit peu ça. La carte vient vous apporter une énergie aussi, je dis de communication et d'expression de soi.
Donc, vous pouvez par exemple ce mois-ci tenir un journal, prendre la plume, mais ce n'est pas que par les mots, même si on associe directement avec la communication, ça peut être exprimé par le dessin, par la peinture, par la musique. Il faut justement que tout ce que vous avez un petit peu dans votre tête, je vais même dire un petit peu au-dessus, puisse redescendre et puis le communiquer aux autres. Vous êtes des messagers, c'est ce que vous dit aussi l'archange. Donc aidez les autres, accompagnez-les dans des changements qu'ils veulent faire. Et pour cela, évitez aussi de vous dévaloriser. Hein? Et vous pouvez avoir tendance à faire ça parce que bah, souvent vous ne dites pas que si vous n'allez pas bien, vous faites semblant, vous riez beaucoup, hein, un peu tous les signes d'air, vous avez ça, toujours la bonne humeur, toujours faire comme si. Mais non, hein, l'archange vous dit, dites-le. Donc ce mois-ci, attendez-vous à dire les choses et peut-être à devoir revenir dessus parce que vous avez Mercure qui fait quand même ses allers-retours en taureau. Donc l'idée, c'est pas de s'imposer par la force, mais c'est d'ouvrir le dialogue. Alors pour vous, la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, c'est une très jolie carte. C'est le prince de coupe, hein, donc le valet de coupe, comme on dit. Donc les coupes, c'est l'émotion, hein, et c'est l'amour. Donc pour vous, signe d'air, nous l'avons vu un petit peu en introduction, il y a une possibilité d'une expansion de votre vie affective, amoureuse, donc peut-être un coup de foudre. Plus que cela, ça peut être une amitié qui évolue vers des choses plus sentimentales. Bah, peut-être que vous allez exprimer justement ce que vous ressentez et puis l'affection que vous avez pour quelqu'un. Donc, cette carte, on la nomme généralement l'admirateur. Donc, comme c'est un valet, c'est soit une personne jeune, soit, comme on dit, un novice. Donc, quelqu'un qui commence une relation amoureuse. Donc l'admirateur, c'est une carte qui vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous admire un petit peu ou simplement qui vous aime, mais peut-être en secret, qui n'ose pas le dire parce qu'il ne trouve pas les mots, justement, et l'archange va l'aider à trouver les mots pour témoigner ce qu'il ressent pour vous. C'est une belle rencontre qui s'ouvre, c'est des échanges un petit peu plus doux, peut-être un peu flatteurs, hein. Faites attention comme avec cette carte, mais l'admirateur, ça dit bien ce que c'est. C'est une énergie de rencontre, de moments plaisants, d'échanges, de générosité, de quelqu'un d'attentionné. Quelqu'un qui peut-être s'y prend mal parce que il ne sait pas, peut-être qu'il ne veut pas vous brusquer ou pas vous faire souffrir. Alors, il est un petit peu hésitant et il tâte un peu le terrain. C'est un petit peu tout ça qu'apporte le prince des coupes, mais c'est une jolie carte qui vient vous amener de l'amour, de l'affection. Donc, c'est un renforcement de tous vos liens sentimentaux, affectifs, amicaux, des liens dans le travail. Ça peut être rencontrer des personnes avec qui, des collègues plaisants, amusants, avec qui on s'entend bien. C'est passer des bons moments avec des gens qu'on apprécie. Il y a un peu tout ça pendant ce mois-ci. Mais surtout, la carte du mois, ça va être, eh bien, vous avez la possibilité de temporiser l'énergie du bélier qui est un peu trop fougueux. Donc, entre la timidité excessive qu'on peut avoir et puis le côté un petit peu trop, je vais dire, fougue et rentre dedans comme ça, qui brusque un petit peu trop les signes d'air. Donc, il y a cette idée de plus être vous-même, comme vous l'êtes, dans, on va dire, tous les paradoxes que vous avez en vous, à la fois vouloir beaucoup d'affection et puis rester un petit peu autonome et indépendant, tout ça, il faut le dire, voilà. Et puis ne pas hésiter à exprimer les sentiments que vous avez. Ces deux belles énergies et cette carte est extrêmement favorable pour faire valoir qui vous êtes, comme vous êtes. Je l'ai dit, vous n'avez pas à changer, même si vous êtes complexe. Restez comme vous êtes, les autres vous apprécient pour ça
et vous apporter ces nuances aussi aux autres, de leur montrer que on est riches tous et puis extrêmement complexes. Et c'est comme ça, c'est en étant vrai qu'on est apprécié. Donc restez vous-même, restez vrai, c'est le message de l'archange. Et dites les choses que vous souhaitez faire pour les prochains mois, c'est très important dans tous les domaines de votre vie. Donc c'est le cinquième chakra et l'archange Gabriel, c'est la carte 39. Terminons avec les signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Donc on vient de les quitter, les poissons, ils ont eu une énergie le mois dernier qui leur demandait d'extrêmement se reposer. Hein, quand il y a trop plein d'émotions, il faut les évacuer et c'est extrêmement compliqué pour eux parce que c'est un petit peu des éponges. Donc ils subissent aussi les énergies qui touchent tous les signes. Et ils sont extrêmement affectés par ce que vivent les autres, ils le ressentent. Donc ils ont eu un mois pour évacuer un petit peu le trop-plein. Ce mois-ci, un mois dynamique, vous avez vous aussi un archange qui vient vous aider pour aborder cette période de renouveau et de renaissance. C'est une belle carte pour tous les signes d'eau, donc moi je suis contente pour tous les gens que je connais et qui ont quelques soucis. Donc cette carte, c'est la 37. C'est le troisième chakra. On va tous travailler nos chakras hein, ce mois-ci. Et l'archange Chamuel. Donc c'est une carte qu'on n'a pas vue, je crois. Donc l'archange Chamuel, c'est l'archange qui est nommé Gloire de Dieu. D'ailleurs, la lumière de cette archange est extrêmement jaune, doré. C'est la lumière divine. L'archange Chamuel, c'est l'ange de l'amour pur, de la bonté, de la générosité, du divin pour l'humanité et à notre échelle. L'archange Chamuel vient vous aider dans toutes vos relations affectives et émotionnelles, notamment en apportant une sorte d'apaisement dans toutes vos relations, et il vient mettre fin aux querelles, jalousies, etc. Des énergies que vous êtes extrêmement sensibles, tous les signes d'eau, parce que les émotions, ben, c'est votre élément, donc il y a des émotions extrêmement positives et en contrepartie vous avez des émotions justement de détermination, de jalousie, voilà, c'est un petit peu tumultueux vos relations. Donc cet archange vient vous apaiser et aussi apaiser des relations. C'est extrêmement important pour vous parce que vous êtes touché. Même si vous provoquez peut-être un petit peu des fois des hauts et des bas dans les relations, après coup vous êtes touché et il y a toujours un trop-plein d'émotions en vous. Et cet archange vient vous apaiser. Donc cette carte est reliée au troisième chakra, donc c'est le chakra ici, hein, donc c'est le chakra du plexus solaire. La carte est aussi nommée l'énergie de la force de vie et tout ce qui est relié à l'émotionnel des désirs, si je peux dire. Donc, cet archange vous présente ici un globe extrêmement lumineux. Ses ailes sont grandes, ouvertes. Il a une sorte d'auréole, un petit peu, hein, c'est un petit peu même un visage un peu christique. Et vous avez ici l'ouverture de ce troisième chakra qui vient illuminer un petit peu toute la cage thoracique et puis ouvrir aussi le chakra du cœur. L'ombre est un petit peu verte parce que vous avez ce chakra du cœur qui est ouvert tout le temps. Donc ici, on vous propose de
réunifier cette énergie vitale qui vient vous donner de la volonté, de vous demander de focaliser, non pas sur ces changements tout le temps d'émotions, de variations dans vos comportements, de ne pas provoquer sans cesse des hauts et des bas. Comment vous dire, vous êtes des signes instables et vous cherchez souvent une certaine stabilité. Donc, il faut que vous restiez focalisé sur vos propres émotions et pas trop prendre des autres, parce que sinon ça vous perturbe trop et du coup vous ne savez plus comment utiliser votre propre force vitale. Donc ce troisième chakra, quand vous arrivez à l'ouvrir et à ce qui vous illumine de l'intérieur, vous allez retrouver de l'enthousiasme pour aller dans la réalisation de vos désirs, pour aller vers la personne que vous aimez, pour ne pas se dire la passion c'est bien, plus on souffre, plus on s'aime, ou ne pas avoir peur de faire souffrir l'autre, ou ne pas être trop jaloux, parce que la jalousie c'est souvent un signe de manque de confiance en nous-mêmes, en notre capacité à séduire l'autre, ou à le rassurer. Donc voyez, cette carte vous apporte une énergie qui vous demande de vous concentrer, de focaliser toute votre attention et votre énergie vitale, c'est-à-dire votre motivation, votre enthousiasme vers une personne, un projet, ne pas se démultiplier, parce que quand on se démultiplie notre attention, eh bien on fait plusieurs choses, c'est passionnant, mais on a du mal à aller jusqu'au bout. Donc ne vous dispersez pas ce mois-ci et soyez assurés d'avoir une aide divine qui vient vous apaiser dans tout ce qui est les conflits, les querelles, le manque d'entrain, l'enthousiasme qui n'est pas là, la motivation. Faites une chose à la fois et ne subissez pas les émotions des autres. Vous pouvez bien sûr difficilement couper les canaux de votre cœur et vos émotions, mais ne pensez pas non plus devoir toujours aider les autres, comme on le dit souvent, aidez-vous vous-même et gardez votre force en vous, développez-la pour réaliser des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, qui vont vous donner de l'assurance, qui vont vous donner une assise dans la vie. Donc ça peut être je mets tout dans une relation et j'adapte mon comportement pour que l'autre il puisse se positionner par rapport à ce que je ressens. Ça peut être je mets aussi mon enthousiasme et mon optimisme vers des nouvelles branches d'activité. Ça peut être une passion, justement, un métier qui vous passionne, des gens qui vous passionnent, des amitiés fortes, mais ne vous sentez pas l'obligé non plus des autres. Toujours, vraiment, c'est une carte qui vous ramène beaucoup d'énergie pour aller de l'avant et pour pouvoir vous projeter. Donc c'est une énergie rayonnante, c'est une énergie solaire, c'est une énergie du printemps. Évidemment, on est chez le bélier, donc ça pulse. Il y a, je l'ai dit, des configurations qui sont propices à des coups de foudre, à des emballements, à des conflits parfois. Donc vous pouvez être dans un contexte un petit peu tumultueux, mais gardez votre force. Coupez s'il faut avec tout ce qui vous embrume, ce qui vous perturbe, concentrez-vous sur un projet, des relations avec lesquelles vous êtes bien, avec des gens qui sont en harmonie avec vous, qui vous posent, qui vous calment, c'est un petit peu tout ça. Donc il peut y avoir aussi des amitiés qui se renforcent et des comportements qui vont être plus apaisés. Donc c'est une belle énergie pour vous que vous est apportée par cet archange Samuel. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous, ben, on est dans le prolongement, si je peux dire, de la carte de l'archange Samuel qui venait favoriser la rencontre avec un amour plus pur, moins tumultueux. Et vous avez la carte du diable. Donc le diable, c'est la séduction. Donc vous allez, et vous risquez, mais tant mieux pour vous, d'être touché par une rencontre qui vous séduit par de la tentation. Peut y avoir avec le diable
on va dire, des énervements. Il faut faire attention à toutes les réactions à fleur de peau. Donc justement, ça attise la jalousie, ça attise la volonté de réagir comme ça, bah, l'émotion, comme on dit. Hein, réfléchissez. Hein, souvent, ici, nous avons un homme et une femme, et puis il y a le diable. Donc, il y a à la fois des cauchemars, à la fois du rêve, de l'emballement. Il peut y avoir de la peur, peut y avoir un peu de manipulation. Donc, surtout, moi, quand je vois cette carte du diable qui est associée en plus avec un archange extrêmement bon et doux, qui vient apaiser ça, il y a pour moi l'ouverture vers des choses que vous aimez. Voilà. Le printemps est là, le printemps vous pousse en avant, le bélier c'est un signe dynamique, il vous apporte une énergie qui vient vous réveiller aussi, qui vous apporte comme ça du feu. Hein. Donc votre élément c'est l'eau, donc n'éteignez pas toutes les bonnes énergies qui viennent vous dire « Et si tu faisais ça, et si tu allais vers cette voie-là, est-ce que développer quelque chose qui vous passionne, ce sont des choses qui vous parlent ? Est-ce que... je ne sais pas. Allez plutôt vers des choses apaisantes et douces qui viennent renforcer votre énergie vitale et ne pas la perdre dans des choses plus romantiques, romanesques, des situations de vie ou de travail trop complexes qui génèrent de l'agressivité, de la méchanceté, des conflits latents. Tout ça, c'est pas très bon pour vous. Donc, positivons la carte du diable qui vous dit soyez tentés par des choses que vous aimez et des choses plus douces et rassurantes, pleines de bonté. Le plan divin vous est aussi ouvert. J'ai l'impression que ce mois-ci, on va pouvoir se connecter avec des gens qui nous complètent et qui viennent renforcer les meilleures qualités de chacun d'entre nous. Donc, c'est bien, je trouve. Voilà, donc les signes d'air s'expriment, les signes d'eau ont moins d'émotions un peu négatives, ils sont relevés par les autres. Les signes de terre, eh bien... vont vers des valeurs différentes aussi. Il y a comme ça une sorte de stimulation tous ensemble. Et c'est ben, un vrai renouveau. L'idée, c'est peut-être de faire un jardin fleuri avec une multitude de fleurs et d'arbres et que chacun se complète pour que chacun soit stable. Et les archanges nous aident à réaliser tout ça. Donc c'est une belle carte pour vous, pleine d'énergie. Focalisez-vous sur un but, une motivation. Et vous allez voir que vous allez réaliser ce que vous souhaitez dans les prochaines semaines. Il suffit de canaliser votre force. C'est la carte 37, le troisième chakra et l'archange Chamuel. Redécouvrons les quatre cartes pour ce mois du printemps, ce premier mois, donc le mois d'avril. Donc, pour tous les signes d'eau, vous avez... le bel archange Chamuel, donc la gloire de Dieu qui vient vous apporter de la bonté, du réconfort, de l'apaisement, qui vient ouvrir votre troisième chakra d'une énergie de force vitale, de vie, d'enthousiasme. Donc c'est vraiment le moment de sentir le soleil à travers les si je peux dire, de votre être, de vous nourrir, de vous gorger, de tout ce renouveau. Alors, début mars, fin mars, pardon, on sent encore un petit peu l'hiver, hein, fait pas trop chaud, mais dès qu'il y a du soleil, sortez, nourrissez-vous, galvanisez votre énergie, synthétisez la vitamine D, comme on dit, et focalisez. Lisez-vous sur vos projets et il va y avoir beaucoup de tentations. Donc, choisissez-en une qui vous passionne au plus haut point. C'est peut être une activité ou une personne. C'est une très belle énergie. C'est la carte 37, l'archange Chamuel. Pour les signes d'air, donc eux aussi, ils ont un très bel archange. Hein, c'est le leur, si je peux dire. C'est l'archange Gabriel et le cinquième chakra. Donc, celui-ci, il est bleu. C'est le temps de s'exprimer. Le message qui vous est transmis, c'est
vous ne pouvez plus attendre. Il va falloir commencer à dire votre vérité, vous exprimer tel que vous êtes. S'il y a des belles rencontres sentimentales ou des amitiés qui sont amenées à se développer ou des projets qui sont dans votre tête, eh bien parlez-en, communiquez-les, faites-vous connaître. C'est un archange qui vient débloquer toute la parole et vous donner une belle assurance de trouver les bons mots et de bien communiquer et bien toute la richesse et la diversité qui est en vous. C'est une belle énergie. S'il y a des choses à mettre au point avec certaines personnes, certaines situations, c'est aussi le moment de le faire. Comme je l'ai dit, l'énergie du bélier, c'est vraiment pousser la porte ou mettre fin à des querelles incessantes en acceptant la vérité de la situation. C'est la carte 39 et le cinquième chakra, l'archange Gabriel. Pour les signes de terre, bien, peut-être qu'ils sont moins reliés aux énergies spirituelles, tout au moins, c'est des gens qui ont souvent les pieds sur terre. Et ils ont une très belle carte quand même, c'est la porte des valeurs, notamment pour tout ce qui va être les finances et le travail. Donc quand on parle financier, l'aspect social, matériel, l'immobilier, les investissements, donc ça peut être également la carrière, des nouveaux projets de vie, la porte s'ouvre devant vous, donc empruntez ce beau chemin qui vient vous faire découvrir une sorte de cité d'or, donc de nouvelles richesses qui peuvent être pour vous aussi, hein, peut-être spirituelles, d'investissement. C'est une belle carte d'opportunité à créer, peut-être un projet à mettre en route. Il y a de la nouveauté, voilà, pour vous, ça c'est sûr. Donc ne restez pas accroché à des choses qui en valent la peine, alors que, comme on dit, il y a peut-être du mieux qui vous attend. Enfin, c'est juste devant vous, donc faufilez-vous dans cette porte et puis allez chercher des nouvelles richesses. C'est une belle carte, c'est la 31, la porte vers les valeurs. Et puis pour les signes de feu, donc les signes en vedette ce mois-ci, une excellente carte, moi je l'aime beaucoup, beaucoup. Les gens qui me connaissent savent pourquoi. C'est la carte 41, donc le septième chakra et l'archange Uriel. Donc le septième chakra le plus haut, celui qui vient vous déployer vos ailes, qui vient vous illuminer, qui vous apporte la connaissance, l'assistance, la bonne intuition, la bonne rencontre, quelque chose d'un peu fulgurant comme ça, qui vous... voilà, ça pulse et ça vous auréole d'une très belle lumière violette, donc extrêmement spirituelle. C'est une belle carte pour vous qui vient renforcer vos atouts, vos compétences et vous apporter des informations, des connaissances, l'intelligence pour réaliser vos projets. C'est vraiment une très très belle carte. C'est la 41, l'archange Uriel, la lumière de Dieu veille sur vous, brille sur vous, vous monte le chemin et vous enflamme. Donc c'est un beau mois dynamique et pas devant vous, les opportunités sont là et de toute façon, vous savez les créer. C'est vraiment une belle carte, c'est la 41, l'archange Uriel. Bien évidemment, je vous invite à redécouvrir ces quatre cartes dans la rubrique archives sur mon site internet, donc www.ghislaine-voyanceastro.com. Vous aurez également ce mois-ci les nouvelles dates pour me rencontrer si vous le souhaitez au Creusot, pour faire des consultations en direct avec moi. J'ai plusieurs formules de tirage. Maintenant, je vous propose des enregistrements ou des consultations par téléphone. Donc n'hésitez pas, pour toutes vos questions, je suis disponible, je suis là, je vous accompagne. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Dans toute cette plénitude d'opportunités, de renouveau, moi je suis très enthousiaste que le printemps soit là,
parce que d'abord, ça vient terminer une période compliquée et ça vient ouvrir des opportunités dans tous les domaines, et en particulier les domaines qui sont favorisés ce mois-ci, c'est les domaines spirituels, affectifs, sentimentaux, et aussi vous diriger vers des endroits que vous aimez, des activités que vous aimez. Et moi, tant que les gens ils vont vers ce qu'ils aiment et qu'ils réalisent ce qui leur permet de s'exprimer, de se réaliser, qu'ils sont dans le bien-être, eh bien ça me fait plaisir. Donc je suis là, on va dire, pour vous confirmer qu'il faut se tourner résolument, avec optimisme et foi, vers la nouveauté. C'est la carte d'ouverture du mois. Eh bien, la porte vers le bonheur et la santé. Une belle colombe, un bel arc-en-ciel, c'est tout ça qui est là pour ce mois. Même si c'est des petits pas qu'on fait pendant ce mois-ci, des petites victoires, eh bien, c'est comme ça qu'on progresse. Et plus ça va aller, mieux ça va aller. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril, un beau printemps, plein de belles choses. Et n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous aider, vous le savez maintenant. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et mes prévisions. Au revoir.